Branly va vivre les dernières années de sa vie, donc il est resté pratiquement plus de 10 ans, boulevard Saint-Michel, chez sa fille et chez son gendre. Et on a des dessins d'Elisabeth très très nombreux, et il y a toute une série de dessins où on le voit au fur et à mesure des jours, des semaines, décliner de plus en plus, et jusqu'au dessin final où elle l'a représenté sur son lit de mort avec son crucifix donc entre les mains. On voit à travers ce dessin tout l'amour et toute l'admiration que Elisabeth avait pour ce père, et donc elle va s'attacher à le voir diminuer et à fixer pour l'éternité, par le biais du dessin, cette lente évolution qui a duré 3 mois, puisqu'il est mort en mars 40, vers la mort que va connaître Branly.